Bonjour, bonsoir, chers amis voyageurs. Aujourd'hui, on revisite un des tutos qui a le plus fonctionné sur la chaîne, à savoir le tuto sur l'optimisation de vos technologies. Et donc, du coup, on va. Alors, tout n'a pas changé dans la 4.0, mais on va quand même refaire un petit point pour les nouveaux joueurs Switch, histoire de se remettre d'équerre sur le principe même d'amélioration d'un stuff et de synergie. Donc, il faut savoir que dans No Man's Sky, vous allez pouvoir looter ou acheter via des nanites, vous allez pouvoir looter ou acheter donc des modules qui vont de C à S, C étant les moins bons et S étant les meilleurs. Vous allez également pouvoir looter ou acheter des modules en X, donc valables pour n'importe quelle technologie disponible en jeu, que ce soit pour le multi-outil, le vaisseau, l'exo-combinaison, etc. Plus également des modules pour les spéciales sentinelles, modules fragments sentinelles exactement, qui eux sont pas disponibles dans toutes les technologies par contre, mais on va surtout se concentrer sur les modules qui sont disponibles pour toutes les technologies. Donc vous allez pouvoir les acheter ou les looter et les installer dans votre inventaire technologique. Il faut savoir que là, il y a une limite au nombre de modules que vous avez le droit d'installer, à savoir pour les modules donc achetables ou lootables, c'est 3 modules, et vous allez pouvoir en plus de cela rajouter des améliorations craftées. Les améliorations craftées, vous allez pouvoir apprendre les plans, notamment au Nexus. Voilà. Il faut savoir aussi que les modules sont procéduraux dans leurs statistiques, c'est-à-dire qu'un classe C va donner différentes stats, quand bien même c'est toujours la même classe. Les stats peuvent varier. Typiquement, on va tester dans une seconde, je vais vous montrer, mais le C va nous donner des stats différentes. Alors, on va travailler avec le multi-outil. Il faut savoir là, pour l'instant, que je n'ai que le scanner d'installer, hein. J'ai des petites bricoles, j'ai la visière et les lasers d'extraction opérateur de terrain. Sinon, je n'ai rien d'autre d'installé, hein. Il n'y a vraiment que le scanner. Et vous voyez que j'ai déjà un petit bonus. La partie blanche est la partie native et jaune, c'est le bonus. J'ai un bonus à cause de la classe du type de multi-outil. En fonction du multi-outil, vous n'avez pas le même bonus. Donc ça, c'est dit. Donc, on va installer une série de modules. On va commencer par les C. Donc, hop, on l'active en faisant E sur PC. Et je vais les mettre un peu autour pour l'instant pour qu'on puisse les regarder bien dans le détail. Hop. Alors, j'en ai prévu quelques-uns en rab. Hop, et voilà 4. Donc là, vous voyez qu'ils sont en train de clignoter en rouge. Ils sont en train de clignoter en rouge et c'est marqué technologie en surcharge. C'est-à-dire que vous ne bénéficiez du bonus d'aucun module puisque là, il y a surcharge. J'en ai mis 4 alors que la limite, comme je vous l'ai dit il y a une seconde, est de 3. Vous voyez que ma portée, du coup, n'a absolument pas bougé. Elle est à 290.1. Première chose que je vais faire, c'est déjà regarder les stats. Donc celui-ci m'apporte de l'analyse, une récompense d'analyse de la flore, plus 1,783%. Celui-ci, un rayon de scan, plus 6%. Celui-ci me donne récompense d'analyse de la faune, plus 1,156%. Et récompense d'analyse de la flore, plus 1,861%. Donc il faut savoir, un, qu'un C ne contient qu'une seule statistique. Parmi 4, ça peut être flore, faune, minéraux, rayon de scan. Donc déjà sur un C, vous n'aurez qu'une seule stat. Et au fur et à mesure qu'on va monter en classe, B, A, S, vous allez avoir plus de stats jusqu'à avoir 4 statistiques disponibles sur un rayon S, sur un module S, pardon. Je suis en train de penser à mon rayon d'extraction en même temps, ça n'a aucun sens. Donc du coup, première chose, on va déjà enlever, hop, on va d'abord enlever celui-ci, donc la non, celui-ci récompense de la faune, voilà, puisque là on va faire les tests sur un arbre, donc je vais le réemballer. C'est marqué en bas, stocker la technologie. Hop, et il revient ici. Il a été utilisé, il est plus stackable. Vous pouvez empiler vos modules tant qu'ils n'ont pas été utilisés. En gros, c'est simple. Pour l'instant, ils ne contiennent aucune stat. La stat va se créer au moment où vous allez l'ouvrir. Donc, une fois qu'il est ouvert, il n'est plus empilable. Puisqu'il est devenu individuel, il a sa stat propre. Il n'est plus empilable. Maintenant, je regarde à nouveau mon multi-outil et je m'aperçois que là, je n'ai plus de clignotement, je n'ai plus de surcharge. Et je vois, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais portée du scanner, je suis passé à 305. Pourquoi? Parce que j'ai un module
qui me propose le rayon de scan plus 6%. Donc ce module-là apporte 6% de bonus sur la portée de mon scanner. Maintenant, ça, c'est l'amélioration du stuff. Alors, je peux les mettre où je veux, je peux les déplacer autant de fois que je veux. Et là, vous voyez, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, ils sont cerclés de jaune. Ça s'appelle la synergie. La synergie, c'est quand vous avez des modules qui sont en contact les uns avec les autres pour une même technologie. Donc, une technologie, on peut installer des modules. Et si ces modules-là sont en contact les uns avec les autres, ils se boostent entre eux. La preuve est faite, c'est que j'avais Flore et Flore, et j'en avais un seul avec le rayon de scan 6%, qui maintenant est à 317, alors qu'il y a 2 minutes, il était à 305. Donc rien que le fait d'avoir mis mon module de rayon de scan en contact avec les autres modules m'a déjà boosté le bonus. Maintenant, je peux le faire aussi avec la technologie, à savoir, hop, là j'ai ma techno. J'ai mon module de boost, je suis à 314,6 contre 317,6. J'ai effectivement une synergie, mon rayon de scan est boosté, mais il ne l'est pas autant que quand je le mets en contact avec deux autres modules. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va compter au nombre de côtés de chaque module en contact avec d'autres modules. Et plus il y aura de contact entre les modules, plus il y aura de boost. Je passe à 329,9. Pourquoi? Parce que celui qui est le plus boosté, c'est celui qui a deux contacts, en l'occurrence le rayon de scan. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc maintenant, le but va être de synergiser au maximum vos modules, c'est-à-dire faire à chaque fois le maximum de contacts possible. Ça va être la synergie pour profiter au maximum de ce que vos modules peuvent vous donner. Donc en l'occurrence, on va aller chercher le scanner et on va tenter de faire le maximum de contacts pour la stat qui m'intéresse. En l'occurrence, on est toujours sur le rayon de scan. Vous voyez qu'on est passé à 339 de portée de scan, alors que tout à l'heure on était à moins de 290, je crois. Donc voilà. Le but du jeu, c'est vous repérez la stat qui vous intéresse, vous voulez la booster, donc c'est vous allez mettre en valeur, en synergie maximale, les modules qui portent cette statistique. Là, j'ai installé 3 modules, mais je vous ai dit il y a un instant que vous avez aussi les améliorations craftables. En l'occurrence, alors moi je suis en créatif, donc j'en ai pas beaucoup de débloqués, mais j'ai celle-ci, le recycleur de forme d'onde. Ça, c'est un plan, donc ce n'est pas un module que je vais acheter, c'est un plan que je vais donc installer et qui rentre lui aussi en synergie. Et je suis passé sur ma portée de scan à 402%. Je rappelle qu'au départ, on était hop, si je démonte tout. On était à 290, c'était pas ça? 305. Ah non, c'est 290, c'est sans le premier bonus. Donc on est à 305 et on monte à 400 et des. Maintenant, on va réemballer la C. Hop. Donc tout ça, c'est des trucs que je ne peux plus, du coup, je ne peux plus empiler, hein, parce que chacun a sa stat différente. Donc il n'y a plus moyen de les empiler. Et on va aller regarder ce qu'on peut looter en S. Hop. En S, je récupère 3 stats sur celui-là et 4 stats sur celui-là. Donc ce module-là, il est top. J'ai toutes les statistiques disponibles. Et si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait 6% sur le rayon de scan. Maintenant, on est à 40%. Je suis déjà à 550 avant même d'avoir fait une synergie. Je suis déjà à 550. Donc votre intérêt, c'est 1 de monter en gamme sur vos modules. Passer de C à S puis X. Je vais parler du X dans une seconde parce qu'elles sont particulières, ils sont particuliers les modules X. Mais donc déjà d'essayer de monter à S, vous ne pourrez pas le faire si vite que ça. Et il faut être raisonnable sur vos achats, dans le sens où les S coûtent évidemment beaucoup plus de nanites
que les C. Par contre, si vous regardez bien, donc si je le place là et que je mets en synergie, je suis déjà à 612,8 de portée de scan. Je pourrais très bien récupérer mon module crafté et aller chercher un module. On va prendre du A puisque j'ai du A sous la main. Hop, je les ai mis autour de mon module fort, on va dire, de mon module principal. Je suis à 753. Ce qui est intéressant là dans la 4.0, c'est que vous allez pouvoir déplacer à l'envi vos modules et chercher la meilleure synergie. Si ça se trouve, j'ai une synergie plus intéressante. Alors on a dit 753,5. Et là, je suis à 694. Donc il vaut mieux que je reste avec mes quatre côtés sur le module principal, le module dont les stats sont intéressantes, parce que c'est là que je chope une stat vraiment, vraiment importante. Je vais parler donc du X. Alors on va remballer les S rapidement. Voilà, et je vais parler des modules X. Le principe du module X, c'est un module de contrebande dont vous ne connaissez pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'il peut aller de une stat à 4 et une bonne stat à, enfin une mauvaise stat à 4 bonnes stats et inversement. Vous allez pouvoir les installer. Alors on va tout installer pour le coup. Et je vous conseille vraiment de faire la même chose quand vous en avez des modules, quand vous avez des modules, quels que soient les modules d'ailleurs, que ce soit X ou pas X. Hop, voilà. Et on va regarder les stats. Là j'ai deux stats, là j'en ai deux, et là j'en ai deux. Bon, et j'ai des stats différentes à chaque fois. Donc là j'ai rayon de scan et flore. Rayon de scan et flore, mais 35% de rayon de scan, l'autre était à 6. Et ici j'ai faune et minéraux. Donc moi celui-là il m'intéresse parce que moi c'est la portée là que je regarde, portée du scanner. Vous voyez que pour l'instant je suis à 0 parce que je suis en surcharge. Je vais démonter celui-là. Je suis toujours en surcharge puisque j'ai démonté la technologie. Boulet, elle est où ma technologie? Elle est là. Hop, on va démonter ça plutôt. Non, ça c'était le bon. Ah, je me suis perdu. Alors, faites pas ça chez vous. Faites pas ça à la maison. Tac. Il faut que j'enlève quoi, du coup? Il faut que j'enlève celle-là. Oui. Parce que celle-là n'a pas le bonus qui m'intéresse. Hop, ça peut vite devenir le bordel, je vous le dis. Voilà, on est repassé en normal. Je suis à 747. Ma technologie, elle est là. Mon module avec les super stats est ici. L'autre module avec le rayon de scan est là, donc il faudrait que j'arrive à booster celui-ci. Donc, probablement que si je fais ça déjà, j'ai un truc plus intéressant. 768,9 contre 747,4. Pourquoi? Parce que la stat qui m'intéresse, qui est portée là, elle est boostée par celui-ci et celui-ci. Il y aurait probablement encore une autre config éventuelle à faire. Il faudrait que je... celui-là étant 3, peut-être en faisant 2x2, ça pourrait être intéressant. Si on faisait... Hop, comme ça, c'est celui-là, quelque chose comme ça, 714, donc celui-là est un peu moins bon parce que mes boosters sont pas dingues, voilà, donc ça vous permet quand même de faire des tests à l'envi pour vérifier la valeur qui est affichée là, évidemment, je ne m'aurais bien fait les choses et donc du coup toutes les stats ne sont pas affichées. Typiquement là pour la récompense de la faune, je ne sais pas le montant que je vais gagner tant ou faune ou flore. Je ne vais pas connaître le montant tant que je n'aurai pas scanné. Typiquement si on regarde alors celui-là, flore, celui-là est pas intéressant. Est-ce qu'on avait un flore qui était pas loin? On en avait un je crois. Ça devait être pas mal en flore. Voilà, là il y a 5,7 en flore. Juste comme ça à l'arrache, sur une jolie planète, je suis à 56 886 sur cet arbre. Savoir que les arbres sont tous payés pareil. Hein. Et donc celui-là, il est à 5,728 et l'autre est à 5,540. Donc ma config est déjà bonne. Ah non, ma config est pas bonne. Le meilleur, il est là. Et là... on est à 57 808. On a gagné un petit peu. Bref, pour résumer, vous avez toute une série de modules que vous pouvez trouver ou acheter.
installable et réemballable. Il faut faire des tests pour voir celles qui portent les bonnes, les modules qui portent les bonnes stats, et ensuite soit vous débarrassez totalement des autres modules, soit vous allez les équiper. Alors là, on est sur l'exocombinaison, mais admettons si c'était sur votre vaisseau, vous pourriez très bien équiper sur le vaisseau et puis au fur et à mesure que vous trouvez des trucs meilleurs, les mettre sur un autre vaisseau. Je rappelle que vous pouvez avoir jusqu'à 9 vaisseaux et vous pouvez avoir jusqu'à 6 multi-outils. Donc quand je trouve un module meilleur sur un multi-outil, je peux déséquiper l'ancien, l'équiper sur un autre multi-outil et améliorer. Comme ça, vous améliorez tous vos multi-outils en même temps. Je crois que j'ai fait le tour de la synergie et de l'optimisation. Juste petit conseil comme ça, il ne faut pas rusher, ça sert à rien. Vous avez le temps de faire votre stuff. Donc passez sur du C, enfin faites du C. Et du C maintenant il y en a partout, dans toutes les stations spatiales, vous avez tous les modules C qu'il vous faut, donc voilà. Et puis tranquillement, au fur et à mesure que les nanites vont se faire, vous allez pouvoir monter en puissance et installer des modules de plus en plus intéressants. Voilà, j'ai tout dit, j'espère que ça vous aura, que ça vous servira en jeu. Je vous retrouverai moi évidemment en jeu très très vite, vous le savez, 21h15, 23h30 tous les soirs en stream, sauf le lundi. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce petit tuto, vous avez plein de trucs dans la description et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.